On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Gagnons tout, reprogrammer. Gagnons un monde sans danger. Gagnons tout, reprogrammer. Gagnons un monde sans danger. Ouais, bon, d'accord. Jérémy, j'arrive. Hé hey Bah alors, Yumi, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Quand tu dis debout, c'est une blague, faut que je rigole. Non, désolé, tu m'excuses, je me dépêchais pour rentrer, j'ai fait le mur pour aller voir Skybreaker 4, la dope du siècle. Ça, si t'as vu les trois premiers, t'aurais dû le savoir. Bah oui, mais je suis un incurable optimiste. Même quand les choses démarrent mal, je me dis toujours que ça s'améliorera avec le temps. Super, bon bah tu permets, là je suis pressée. Ah oui, et tu vas où? Sauver le monde, ça te va comme explication? C'est bon, je peux y aller? Bien sûr, mais seulement après m'avoir donné à baiser. Bon, d'accord, allez, ferme les yeux. Et moi qui croyais que ma soirée était fichue. Bah alors j'attends. Yumi! Je me suis fait avoir comme un bleu. Jérémy, tu peux me virtualiser. Super. Les autres vont pas tarder. Ils étaient sur Lyoko, t'arrives juste à temps pour les accueillir. Quoi? Ils ont déjà désactivé la tour? Eh ben alors, où t'étais passé? T'as pas entendu ton portable? Bon, c'est pas grave, Yumi. Tu sais, moi aussi, j'ai le sommeil un peu lourd. Mais bon, avec Ulrich qui ronfle comme un troupeau de tronçonneuses, c'est un réflexe de survie. Ouais, ben croyez-moi, y a pas que mon sommeil qui commence à devenir lourd. Mathias Burel. Présent. Emmanuel Maillard. Présent. Mike. Merci, Dena, tu t'es bien fichu de moi hier soir. Caroline. Sans rire, jamais personne ne m'avait humilié comme ça. On peut savoir ce qui t'a pris? Ben disons que j'en ai marre de tes plans de drague à 2 euros. Mais je... Au début, je trouvais ça sympa, mais là, ça commence à me casser les pieds. À force de me tourner autour, tu me files le vertige, alors arrête. William Dobar. William Dobar. Oh, ça va, je suis pas sourd, vous voyez bien que je suis là. Dobar, en es-tu dans la bibliothèque? Et tout de suite, pas question de vous emmener à la piscine. En attendant, ce que j'aimerais savoir, c'est où tu allais hier soir et pourquoi. Et t'inquiète, même si c'est un secret, je le découvrirai. Tu peux compter sur moi. Fais pas cette tête, Jérémy. Il va être super, notre exposé. Il vaudrait mieux, ça compte pour tout le trimestre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans les échos de Cadic aujourd'hui? Bah, Judith Never et Renaud Limousin sortent ensemble. Sans blague. Et c'est qui, ça, Judith et machin? Ça, j'en sais rien. En tout cas, ils sortent ensemble. Oh là, oh, c'est pas vrai. Xana fait encore des siennes. Oh non. Bah si. L'ennui, c'est qu'Ailita et moi, à cause de l'exposé, on peut pas sécher le cours d'histoire. Oh, pas de problème, Einstein. Ulrich et moi, on va régler ça. On file à l'usine et on se tient prêt à plonger sur Lyoko. Mais arrangez-vous pour faire votre exposé en vitesse. Moi, un dragueur à 2 euros? Ah bah ça alors. Bon, ben pas la peine d'assister. Yumi répond pas. Mais qu'est-ce qui lui prend en ce moment? Déjà, hier soir, elle nous a lâchés. Bon alors, on peut commencer, monsieur? Eh bien, oui, mais j'aimerais bien savoir où sont passés Odd et Ulrich. Eh ben, c'est-à-dire que... qu'ils avaient un truc important à faire et... Ah oui? Plus important que mon cours? Bah, d'une certaine façon. Bon, allez, je devrais pas vous le dire, mais ils sont justement en train de préparer une surprise pour votre cours. Une surprise? Quelle surprise? Bah, un grand spectacle historique en votre honneur, monsieur. Ah, les petits cachotiers, ils auraient dû m'en parler.
On peut commencer, monsieur? Oh oui, bien sûr, les enfants. Allons, dites-nous tout sur la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1914, François Ferdinand, neveu et héritier de l'empereur d'Autriche, François Joseph, est assassiné avec son épouse à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, par un étudiant serbe. Le jeu des alliances précipite l'Europe dans le drame. Serbie, Russie, France et Grande-Bretagne d'une part, Allemagne et Autriche-Hongrie d'autre part. Au cours des hostilités, d'autres pays viendront se joindre aux belligérants. La Belgique, envahie par les troupes allemandes, le Japon, l'Italie, la Chine, la Roumanie, les USA se joignent aux alliés, tandis que la Turquie et la Bulgarie rallie les empires centraux. Les armistices, signés fin octobre début novembre 1918 sur les différents fronts, mirent un point final au combat. Mais il restait à élaborer les traités de paix destinés à mettre fin à une guerre dont beaucoup voulaient croire qu'elle était la der des der, ouvrant de ce fait la voie à une paix juste et éternelle. Ce fut à Paris que les pays vainqueurs décidèrent de réunir la conférence de la paix investie d'une double mission. La création de la Société des Nations et l'élaboration des traités de paix à soumettre aux pays vaincus. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je peux aller à l'infirmerie, monsieur, j'ai un peu mal au crâne, là. Oui, moi aussi, monsieur. Oui, oui, allez-y. Moi-même, j'avoue qu'une aspirine serait la bienvenue. Tu voudrais pas essayer de rappeler Yumi? Elle va bien finir par répondre. Aujourd'hui, une petite initiation à la nage synchronisée. Autrement dit, quelques instants de grâce et d'harmonie dans un monde des brutes. Mais plutôt qu'un long discours, je préfère vous faire une petite démonstration. Admirez l'artiste! Eh ben, si c'est ça la grâce, je crois que je préfère encore les brutes. Tu crois qu'on va avoir une bonne note? D'accord, on a tout dit, mais c'est un peu rapide. Bah, Fumet avait dit une page d'exposé, il avait pas précisé la durée. C'est fou, ces derniers temps, Xana ne nous laisse aucun répit. On passe notre temps sur Lyoko. Désolée de vous interrompre, mais j'aimerais bien savoir... C'est qui, ce Xana? Ah ben, voilà. Bon, ben, on a tout mis en route. À toi de jouer, Einstein. Qu'est-ce qu'il fait, là, celui-là? Bah, apparemment, il vous a suivi. Waouh, c'est quoi, tous ces trucs? On se croirait à la NASA, c'est dingue. Vous voulez que je l'assomme? Et c'est un peu, tiens, qu'on rigole. Ça va, on se calme. Pour l'instant, l'urgence, c'est la tour. Après ça, un bon vieux retour vers le passé, et voilà, notre ami aura tout oublié. Alors, tu vois, ça m'étonnerait. Surtout si vous me jouez un sale tour, je suis du genre rancunier. Et Yumi? Toujours injoignable. Alors c'était ça son petit secret, une planque high-tech, la caverne d'Ali Baba version SF. Je comprends qu'elle n'ait pas voulu m'en parler. On va encore devoir se passer d'elle. Ça me plaît pas, mais alors pas du tout. Moi je peux aller la chercher si vous voulez. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ira pas tout raconter au proviseur. Non, c'est pas son genre, et puis c'est un cas de force majeure. On a besoin de Yumi. On ne sait pas ce que Xana prépare, alors il vaut mieux être au complet. Transfert Aelita. Transfert Hot. Transfert Ulrich. Scanner Aelita. Scanner Hot. Scanner Ulrich. Virtualisation. Je vous envoie vos bécanes. La tour activée se trouve à l'extrémité nord du territoire. De là où vous êtes, son halo devrait être visible. Ouais, tout juste, Einstein. On ne peut rien te cacher. Ok, Jérémy, on y va. Surtout, n'oubliez pas la grâce, l'harmonie. Yumi, il y a une urgence. Xana a lancé une attaque, dépêche-toi, faut y aller. Non, mais où vous croyez, Dobar? Les ordres, c'est moi qui les donne. Vous me prenez pour un guignol? Non, monsieur. Enfin, pas aujourd'hui. Bon, d'accord. Filez chez le proviseur, Dobar. Allez, exécution. Bravo, bien dit. J'ai failli me noyer à cause de toi. Vous permettez que je l'accompagne, monsieur. Je veux m'assurer qu'il aura la punition qu'il mérite.
Bonne idée, allez-y, mademoiselle Ishiyama. Et félicitations, il nous faudrait plus d'élèves comme vous. Vous voyez, Dumber, vous devriez prendre exemple sur elle. Vous avez raison, monsieur. Yumi a beaucoup de choses à m'apprendre. Attention, juste derrière vous, les cancres là. C'est bon, je m'en occupe. Charme force. Dis donc, Jérémy, il y en a combien au juste? Un paquet. La précision scientifique, j'adore. En vol. Les gars, 3 sur une moto, c'est dangereux. Et puis, je suis pas assuré pour. Aelita, viens avec moi. On se retrouve de l'autre côté. Ça roule! Boucle ta ceinture, Aelita! Ça va secouer un petit peu, là! Je comprends toujours pas ce que vous fabriquez dans cette usine. Non, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont accepté ton aide. Bah, peut-être qu'ils me font confiance, eux. Oui, Jérémy, c'est moi. On est sur le pont. D'accord, les autres vont bientôt arriver à la tour activée. Ah non, Jérémy, j'arrive encore après la fête. C'est qui, ce type? Lui aussi, il fait partie de votre bande de super-héros? Non, lui, il est plutôt dans le camp des super-vilains. Jérémy, on a un type possédé par Xana. Désolé, ça risque de me retarder un peu. D'accord, fais gaffe à toi, Yumi. Je vais dire aux autres que ça commence à urger. Yumi, c'est ça, votre super ennemi, un ouvrier du bâtiment? C'est bizarre, mais là, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un truc un petit peu plus gore. D'accord, je retire ce que j'ai dit. On est tombé sur un super plombier. Allez-y, je vais m'occuper d'eux. Ok! S'ils se mettent à nous prendre en traître, c'est pas juste. Yumi, ça va? Tu m'entends?
Je t'entends, oui, mais peut-être plus pour longtemps. C'est un pas furieux, Steve. Accroche-toi, Aelita va bientôt atteindre la tour. Laisse-le-moi, Yumi, je m'en occupe. William, non. Yumi, Yumi, qu'est-ce qui se passe? Yumi, mais enfin, réponds, bon sang. Odd, Odd, la faut plus traîner. Sans blague, je croyais qu'on avait tout le temps, moi. Que je t'avoue quelque chose. Franchement, tu crois que c'est le moment? Oui, plutôt. Je ne sais pas nager. Tour désactivé. Bien joué, Aelita. Yumi? Jérémy, bravo et merci, vous avez réussi. Ça va comment de votre côté? Rien de cassé, mais on a eu chaud. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, ben maintenant que tout est terminé, tu vas pouvoir lancer un retour vers le passé, histoire que William arrête de fourrer son nez dans nos affaires. Ouais, ben moi je ne suis pas sûr que ce soit terminé, ce type bosse chez Explobat. Bon, et alors? Et alors, ben si je ne me trompe pas, c'est une société spécialisée dans la destruction des bâtiments. Et j'imagine que là-dedans, il y avait de quoi faire un beau feu d'artifice. Jérémy, t'as entendu ça? T'inquiète pas, Yumi. Je vais lancer le retour vers le passé et les explosifs disparaîtront. Et la mémoire de William avec, pas de problème. Oh si, problème, la méduse. Elle a pris Aelita. Et si tu lançais quand même le retour vers le passé? Non, pas question. On ne sait pas ce que ça peut provoquer chez Aelita quand elle est sous l'emprise de Xana. Alors tu rappliques en vitesse et tu fonces sur Lyoko. Et vous, vous allez chercher cette bombe? Oui, chef. Bonne chance, Yumi. À vous aussi. Trouvez ces fichues bombes. J'ai pas envie qu'on finisse tous en fumée. Le mieux, c'est de se séparer, non? Ouais, d'accord. On y va. Transfert, Yumi. Scanner, Yumi. Virtualisation. Ça y est, Jérémy. La méduse a libéré Aelita. Elle va sans doute filer vers la tour de passage pour lancer la destruction du territoire de la banquise. Il faut absolument l'en empêcher. C'est comme si c'était fait. Ouais, enfin, presque. Ça y est, je l'ai trouvée. Non, non, ça c'est seulement une décharge. Il doit y avoir un détonateur principal et c'est lui qu'on doit trouver. Comment tu sais tout ça, toi? Ben, mon oncle travaillait sur les chantiers, j'allais souvent avec lui pendant les vacances, alors il me montrait comment... D'accord, d'accord, on se racontera nos histoires de famille une autre fois, là, on n'a pas le temps. Tout à fait. Alors, le spécialiste, il est où le détonateur? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est au type d'Explobat qu'il faut demander. Ouais, mais il est dans le gaz, tout comme chaque ex-xanatifié. Je vais essayer de le réveiller, continuez de chercher. Mégatank. Aelita va bientôt arriver à la tour de passage. Allez, la belle au bois dormant, on se réveille, c'est le prince charmant. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Où je suis, là? Oh, les explosifs! Les explosifs, où sont-ils passés? Dans l'usine, là, avec un détonateur, vous vous souvenez de rien? Non, non, oh, ma tête! Thank you.
ça va rien de casser. Je vais chercher Elita. Fais attention, Yumi, tu n'as presque plus de points de vie. Regardez cette usine. Si vous deviez la faire sauter, vous le placeriez où, le détonateur? Oh, ben je sais pas, moi. En hauteur. Oui, oui, en hauteur. Pour être sûr que les ondes atteignent les charges. Ulrich, c'est en hauteur qu'il faut chercher. En hauteur. C'est bon, Jérémy. J'ai Elita en ligne de mire. Je crois que je l'ai trouvée. Et où ça? Ah. Là-haut. Désolée, Elita, tu sais que je peux pas faire autrement. Jérémy, on a trouvé le détonateur. Il faut évacuer l'usine tout de suite. Tout va sauter dans quelques secondes. Non, on ne peut pas, Ulrich. On ne va quand même pas laisser Yumi et Elita sur Lyoko. Donne-moi ta ceinture. Ah. Je vais essayer de désarmer le détonateur. J'ai besoin d'un dérivatif. Tu sais faire ça, toi? Mon oncle m'a montré comment faire. Une fois. Une seule fois? Eh bien oui, une fois, ça suffit si on n'est pas trop bête. Bon, maintenant, file. Si ça pète, inutile de sauter tous les deux. Pas question. Tu restes, je reste aussi. Et moi, pareil! Comme ça et tu disparais. Et ensuite, ça sera autour du territoire de la banquise. Yes! Jérémy, William a réussi son coup. On est sauvés. Allez, s'il vous plaît. Je vous jure que je ne dirai rien. C'est vrai qu'un combattant de plus, ça nous ferait pas de mal. Et puis William nous a prouvé sa valeur. On n'a qu'à voter. Et si tout le monde vote oui, William fera officiellement partie de notre bande, d'accord? Désolé, William. Mais il y a un nom. Dommage pour vous. Enfin bon, je m'y attendais un peu. Il y a des jalousies qui ont du mal à passer, on dirait. Et maintenant, c'est quoi le programme? Maintenant, c'est retour vers le passé. C'est vraiment pas sympa, Ulrich. Pourquoi t'as voté non? Mais c'est pas moi. J'ai jamais beaucoup aimé William, mais il nous a sauvé la vie. Il est courageux, il fera un super Lyoko guerrier. Je le pense vraiment. Bah alors, si c'est pas toi, si c'est pas moi, ni Jérémy, ni Elita, alors il reste plus que... Je suis désolée, William. Mais moi, je pense qu'on peut pas te faire confiance.